Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, nouveau lot de problèmes. On verra ce qui nous attend dans celui-ci, dans cet épisode. On est un peu dans le caca. Bon, on va prendre des gens parce que on en a perdu. Et construction. Village. Construction. El Constructor. Alors, ici, toi. Moi, j'ai chaque fois un gros lag quand il arrive ici dans les jobs. Je sais pas pourquoi. Non, il veut vraiment pas. Ah, voilà. Il redémarre. Alors, construction. 2. Ah, ok. Tu vas faire que de la construction et tu vas faire que du LED pour régénérer tes camarades. Et peut-être avoir un peu plus d'aide. On verra. Jobs. Alors, construction, il n'y a pas énormément de personnes qui sont capables de le faire bien. Et alors, on va assigner une personne. Voilà. La maintenance, c'est quoi ça? Oh. Voilà. Ça devrait aller mieux. On verra s'il n'y a pas des choses qui vont se construire ou qui vont se faire plus vite. J'espère. Bon, il n'y a plus de... y a plus de gens qui font ça. C'est pas grave, tant pis. Ou pas. Un mémorial. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Mais bon, c'est ça fait partie du jeu, ma petite Lucette. Ah, voilà, ici. On a de quoi stocker. Ça va se construire. Lindsay, Ada, ils font leur taf. Ça devrait aller mieux. Je vais essayer de diversifier les gens pour qu'on ait quand même de quoi faire. Par contre, il n'y a plus personne qui... le générateur manuel, on va y arriver. Ça va aller. Alors, le système immunitaire est remonté à fond. Le stress, j'aimerais qu'il commence à descendre, mais ça va le faire. Qu'est-ce que... Pourquoi j'ai mis en 9, moi? 5. Voilà. Optionnellement, si on peut construire un générateur, moi je dis pas non. Voilà. Ah, ben voilà. Quand on assigne une personne à la construction, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Alors, quand on aura fait ici le générateur à charbon, ça devrait bien potentiellement aller beaucoup mieux, j'espère. Là, quand même, déjà. Bon, ce qui m'ennuie, c'est que... Alors. Voilà, on va faire ça. Comme ça, on est sûr d'avoir constamment quelqu'un. Assez d'oxygène ici, hein. À cause du courant. On aura réglé ce problème de courant. Ah, ben voilà. Wow, il est mort. Et ira. Bon. Ok. On aura réglé ce problème ici avec ça, ces deux-ci. Allez, les gars. Go, go, go. Ada. Nice. Vas-y, Ada. Tu peux le faire. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Et maintenant, celui-là, on le met à fond. Neuf. Neuf et neuf. Voilà.
Alors quand on aura un peu plus de courant, ça va le faire. Voilà. Faut qu'il y ait quelqu'un maintenant qui vienne faire que de la livraison. Ah ouais, on a perdu pas mal là. On va le faire, ça va le faire. Voilà. Ok, bon. Quand ils auront le temps, le courant, ça va le faire aussi. Vous allez voir. Là, comment je m'auto-persuade. C'est un truc de fou. Alors. Alors, creuser en neuf, ça devrait le faire. Insuffisante ressource. Mais si, ça va le faire. Alors, 100% de stress, ça, malheureusement, je peux rien y faire. Voilà, allez-y les gars, ça va le faire. Voilà, allez, hop, construction. Bâtiment. Hydrogène et après, là, ici, d'accord, gaz naturel, d'accord. J'ai occupé de me dire, mais... Trouve où le tchic ou tchac. Par contre, ça, c'est pas le bon plan maintenant. Pourtant, ça serait vachement utile. Hein. Allez, un mémorial. On va faire ça. Pour aller. Pousser encore plus l'oxygène et l'hydrogène vers le haut. Ça me paraît être un bon plan. Ah bah ouais, bien sûr ça. Toujours pas terminé. Ah c'est compliqué les amis, c'est compliqué. On n'a pas beaucoup d'oxygène. On a de l'oxygène pollué en fait, c'est ça qui pose problème. Oxygène pollué, on peut aller le choper ici avec la décontamination. D'abord ici avec la sanitation, donc tout ce qui est douche. Oh là 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 là, c'est la misère. On n'a plus assez de personnes. S, il est à fond. Starvation, il est à fond aussi. Dans les jobs, Cook. Est-ce qu'il y a des gens qui font que ça? Hop. Alors que j'attitre d'autres personnes dedans. On va mettre en neuf. Ça construit. Est-ce que ça produit? Non. Est-ce que ça ramène du charbon? Non, ça ne ramène pas de charbon. Pourtant, ça me sauverait bien. Voilà, lui, on va le mettre à 11 et l'autre à 13. Ça, il y aura peut-être moins de personnes qui vont être occupées par ce générateur. Et ils vont peut-être pouvoir faire autre chose. J'aime bien comment je suis encore tout naïf. Bonne, ok. Ah, on a de l'hydrogène en quantité. Malheureusement, il manque pas. Ah. Alors, c'est quoi? S'occuper quand la charge atteint voilà 100%. Normalement, ça devrait être bon. J'espère. On a du courant par intermittence et c'est pas ça qui va aider. Franchement.
Voilà. On a déjà une plus grande poche ici au niveau de tout ce qui est objet, j'ai envie de dire. L'hydrogène et l'oxygène, donc ça devrait aller. Et on a de l'oxylite aussi, tiens. Prochain oxygène. Il faudrait simplement que celui-ci fonctionne. Rien de plus, rien de moins. Allez, un nouveau dupliquant, ça devrait le faire. Je vais le mettre tout à neuf parce qu'il fait du beau boulot, lui. Voilà. Franchement, il a fait du beau boulot. Oh là 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 là. À tenter de mopper ça. En fait, c'est. Ça devient un carnage à cause de. Ah! Non. Ça devient un carnage à cause de tout l'oxygène pollué en fait. Hein. L'hydrogène aussi pose énormément de problèmes. Ça, au pire des cas, je mets une pompe, je mets un filtre et j'envoie tout vers le générateur à hydrogène directement et je devrais être tranquille en soi. Générateur à hydrogène. Voilà. Une pompe. Voilà, hop, comme ça, genre. Avec un filtre à gaz. Alors, si jamais c'est de l'hydrogène, il part à droite. Si c'est de l'oxygène, tu pars à gauche. Tout simplement. Et je rebalance ça direct ici. De toute façon, il va pas avoir 36 solutions. C'est de l'oxygène ou de l'hydrogène ici. Hein. Alors, le courant, évidemment. Tac tac tout tac 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 tout tac tac. Voilà. Tac tout tac tac. Et gaspipe c'est fait. Hormis celui-ci. Tac, voilà. Et donc toi, tu devrais aller beaucoup mieux désormais. Athlétique construction. Ouais. Allez, flatulent. Encore une fois. Désolé, c'est pas moi qui l'ai choisi. Normalement. Ah, j'allais dire ça. Ça a l'air d'aller bien, mais non. Plante. Et plante. Okay. Ah, ces deux-ci, voilà. Bon, si ça construit, voilà, tranquille. Ça, on va avoir une nouvelle source d'électricité. Le faire. On va devoir faire attention quand même à notre cuivre qui descend, mais alors très fortement. On va pas oublier l'électricité bien sûr de notre machine ici, notre générateur. Hop là, voilà. Tac, 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 tac. Et j'ai toujours pas rangé la base. Ça fait au moins 15 cycles que je dis je vais le faire et j'ai pas le temps de le faire parce que ils sont. Alors Mima, Mima, qu'est-ce qu'elle fait elle? Qu'est-ce qu'elle a comme job, Mima? Elle peut délivrer, alors si elle peut pas faire à manger, elle peut délivrer. Bon, elle fera quelque chose, tranquille. Voilà. Fertilisation. Et ça va pousser tranquillement. J'espère en tout cas.
Et voilà, un peu de courant, ça va faire du bien. Wattage 600, cool. 175 kilos. Voilà. Va y arriver. Alors, ici, on va les évidemment les mettre à 30%. Alors, pourquoi ça continue alors? Et si je fais ça? Non, lui il est à fond en fait. Il veut rien faire d'autre. Rowan. Tant pis, voilà. Merci. Ils sont à fond. Là, ça construit aussi, c'est cool. On va y arriver, hein. On n'a plus que 4,7 tonnes, par contre, de cuivre. Donc, il va falloir quand même bien contrôler ça. Avoir un œil là-dessus, évidemment. Ah, vite. Submergé par le problème. Voilà, on va construire une échelle ici pour dire de... d'avoir accès ici, entre autres. En neuf. On va laisser construire tranquillement. Bon, le stress et a commencé à redescendre. Le système immunitaire aussi. Alors, il va falloir maintenant gérer un peu tout le brôle, comme on dit chez nous. D'accord, bon. Il y a un truc qui s'est écroulé dessus. Tout va bien. En neuf, j'ai dit, mon ami. Voilà. On va mopper aussi. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Ah. Et on va commencer à ranger au fur et à mesure nos affaires. Parce que va être fouillé, hein, cette histoire. On va mettre tout en neuf. Être tranquille. Relativement vite. Hein. Voilà. Alors toi, c'est hydrogène. Voilà. Ah, j'ai oublié de mettre une pompe. Alors, on va regarder comment ça fonctionne. Valve à gaz. Donc contrôle le volume de gaz permis qui est permis de passer dans les tuyaux. Et ça se met où cette histoire? Alors, l'entrée et la sortie. Pas mettre ça comme ça, je ne sais pas. Je découvre avec vous, évidemment. Hein. Est-ce qu'il faut mettre du courant sur cette histoire? Il n'y a pas l'air, non. Alors, donc, ça veut dire que ça déconstruit. Ça déconstruit. Voilà. Lui, on le construit. On mettra un flot un peu plus léger pour éviter de tomber à court d'hydrogène, en fait. Simplement. Que la consommation soit un peu moindre par rapport à la production d'hydrogène, parce qu'il faut imaginer que l'hydrogène est produit ici et doit monter là-haut, donc on risque d'avoir un problème. Mais une fois qu'on aura géré ce problème-là, ça passe, j'ai envie de dire. Alors en neuf, bien sûr, là il gère les batteries en neuf, donc ça c'est cool. Elle n'est pas reliée, je crois. Toujours pas relié, c'est pas grave. Et là, il est grand temps de faire le nettoyage parce que... Ouf! Alors, mopé. En neuf, les gars. Yep, aussi en neuf, évidemment. Voilà, ça mope. Mais je sais pas où elle vient, cette eau. Cette eau polluée. Il y a quelque chose qui crée
un liquide quelque part, je ne sais pas où. Ouais, regardez la preuve. Bon, là, ici, ça commence à prendre forme. C'est bon. Ça devient bon. Alors, au niveau du charbon, bah, évidemment, c'est à cause de ça que les roues sont de retour en marche. Alors. Ah, en 5, c'est bon. Du moment que j'ai déjà une petite batterie en plus, une pompe, ça c'est nickel. Voilà. Il nous faut du courant. On va l'avoir. Voilà. C'est bon. C'est bon ça. Alors. Ah ouais, effectivement, elle n'est pas reliée. Elle n'a pas de courant. Super. Ouais. Pour le moment, ils n'ont pas de courant. Et alors lui, je ne sais pas. On va le descendre à 100 grammes seconde peut-être. Je ne sais pas sa consommation. On verra. On va adapter au fur et à mesure par rapport à ce qu'on verra. Hein. Alors, il n'y a pas de courant. C'est la merde. Non, il y a du monde. Hein. Il y a de quoi travailler sur sur la chose, comme on dit. Là, je vais désactiver. Là, je vais désactiver parce qu'on a 28 000, donc on a 28 jours. On a 3 jours d'autonomie, en fait, à peu près. Et, ah, là, c'est parti. Alors, faut que je regarde pour ne pas trop épuiser cette... Ah. Alors, ça va le faire, ça va le faire. Alors du coup, ça remplit cette batterie-là. Il faudrait évidemment remplir l'autre. Alors on va remplir un peu plus, 80 peut-être, voilà, pour voir ici. On voit que la batterie descend au fur et à mesure. 110. Ah. Attendez. Je regarde. Voilà. Bon. Une fois qu'on aura rempli tout ça, ce sera bon. Là, évidemment, je peux disable les buildings. J'ai deux autres sources d'énergie potentielle. Donc, je vois pas pourquoi je prendrai pas ça. Je m'en. Voilà. Je m'en contenterai pas, comme on dit. On a du monde ici. Donc, cooking. Ouais, ça me semble bien. Voilà. Là, maintenant, du coup, les gens vont pouvoir aller se faire masser. Ça va aller beaucoup mieux. Et on va pouvoir commencer à nettoyer. Carrément. Parce que. On peut plus utiliser la porte à cause de ça. Je sais pas si ça pose problème. Je pense que si. En toute logique, ça pose problème. Ouais. Alors, ici, c'est bon. Alors, on va redescendre la consommation de la valve. Ah, j'ai raté. 38? On va tenter. A l'air de se faire, ouais. Au pire des cas, je peux toujours prendre une pompe pour renvoyer l'hydrogène ici. Ce qui pourrait être une bonne solution aussi, hein. Regardez, mes batteries sont à fond. Je demande le peuple. Ça va commencer à se construire, ça va se construire. C'est parfait. Alors, on va faire les recherches, hein, du coup. Et ce serait peut-être bien de chercher la décontamination, mais. Ouais, ok. Il faut d'abord faire les sanitaires. On va faire les sanitaires et la décontamination ensuite. Ouais. Comme ça, on va pouvoir aller chercher l'oxygène pollué. Voilà. On commence à avoir un peu plus de. D'oxygène, pardon. Ah, et là, on a un système automatisé. Je pense qu'on est bien. Là, on a ouf, du
dioxyde de carbone un peu trop, j'ai envie de dire même, déjà. Wire connected, why? Allô, ça. Alors, ce que j'avais pas pensé, c'est que la pompe va absorber du carbone de dioxyde. Ouais. Que je peux faire potentiellement? C'est ça. Voilà. C'est pas exceptionnel, mais je peux minimiser le carbone de dioxyde et produire de l'oxygène. Ouais, ce serait une bonne idée, ça. Je pense que c'est un bon plan. En 34, je vais vérifier. Attendez. Parce que je crois que je descends en gaz, tout simplement. Galère. Après, c'est pas grave. Dans un sens, vous voyez, ça arrive, ça consomme, ça repart. Mais j'ai quand même pas mal de power derrière pour suivre. Ouais. J'ai pas assez de production d'hydrogène. Alors, c'est pas grave, on va faire ça. Voilà, on va faire ça ici, tranquillement. Et on va monter une échelle. On va mettre ça en œuvre d'ailleurs. Et on va prioriser ça en œuf aussi, tranquille. Comme ça, l'hydrogène ira ici dans cette petite poche et j'irai la rediriger tranquillement avec une pompe à gaz. Tac. Ça devient compliqué, hein. Non, pas liquide. Gas pipe. Ouais, écoutez, on va faire comme ça. C'est pas très catholique. Ça marche au moins, ça a le don de marcher, j'espère. Alors on voit que ma batterie elle descend fortement. Alors au niveau des gaz, qu'est-ce que ça donne? Ok, bon, on a construit gas pipe, c'est bon, nickel, c'est ce que je voulais. Ah, et là comme par hasard, unreachable quoi. En neuf. Alors ici, je ne sais pas si ça va être bon. Ok, là, ça va être bon aussi. C'est qu'une question de temps avant qu'il n'y ait plus de courant. Voilà. Non, ça va. On a de quoi faire. J'espère que le générateur ici fonctionne, mais évidemment, il ne fonctionne pas. On va essayer de mettre deux terrariums ici pour diminuer le carbone. Le dioxyde de carbone parce que ma pompe, elle va faire un carnage. Sinon, j'ai pas prévu ma pièce assez grande en fait. Ça a été une erreur. Eh, ok. Je vais mettre en neuf. Avoir des problèmes sinon. Alors. Les recherches, où est-ce qu'elles en sont? Nulle part. Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, ils sont toujours en stress, je ne sais pas pourquoi non plus. Il y a quand même trois tables. Ah, il n'y a plus de courant en fait. Voilà. Le problème vient de là. Alors. Ouais, évidemment, il va falloir réactiver ces bâtiments-ci. Et donc, bah, de retour, pouvoir donner une impulsion électrique à notre réseau. Fonctionne par intermittent, c'est un carnage. Un carnage
un carnage. Bon, ici, il faut que ça fonctionne en fait. Que le générateur à charbon soit approvisionné régulièrement. Et là, c'est pas gagné. Ça répare, ok. Swap en 9. Ici. Swap. What? Mop en 9. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Vous allez me dire, maintenant c'est fait quoi. Voilà. Waouh, toutes ces choses à bouger tout le temps. Alors, le courant, ouais, on n'est pas forcément plus avancé avec ça. On a de l'eau, c'est déjà ça. Vous allez me dire. La phosphorite, de l'hydrogène et de la chlorine. Ah, du gaz naturel, nous y sommes. J'avais pas vu. Vu? J'avais pas vu. Alors, du coup, mais ça change tout. Et avoir une nouvelle. Une nouvelle façon de pouvoir se donner de l'électricité et de. Comment dire? Et de sauver un peu pour éviter ces roues à générateur manuel parce que franchement, j'aime pas du tout. Alors là, comment on va faire ce système? On va faire au mieux ou pas. C'est pas le plus esthétique qu'on ait vu, ça c'est clair et net. On va laisser le gaz là. Je vois qu'il y a une deuxième poche. Alors, est-ce qu'il y a un deuxième geyser ou est-ce que ça c'est mystère et boule de gomme comme on dit chez nous? Voilà. Et pouvoir y arriver assez vite à cet endroit-là. Et pouvoir se donner plus ou moins rapidement, ouais, voilà. Ça creuse, donc ça va le faire. Par contre, il va falloir que je me trouve un endroit où mettre un compacteur, c'est-à-dire ici. Voilà. Parce que vous regardez le chemin qu'ils font pour aller. Alors, c'est déjà beaucoup mieux. Là-haut. Ah ouais, c'est pour ça que ça fait pas. Voilà, allez viens. Voilà, en neuf. Bon, je sais encore une fois, ordre contre ordre, méga contre ordre. Ça va pas m'aider. Ah ouais. Gas pipe, ça va construire, nickel. Ah les gars. Ah bon. Au niveau hydrogène, on est un peu limite limite quand même, hein. Qu'on soit d'accord. Ouais. Alors, printing pod, on y est, on y est. Digging strength, ok. Voilà, bon. Et c'est ainsi que je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode encore une fois. On a quand même. Comment dire, évoluer dans la colonie parce que maintenant on a trouvé du gaz naturel donc on va pouvoir fournir de l'électricité normalement en conséquence avec l'hydrogène, le charbon et le gaz naturel. J'espère en tout cas que tout ça va aller. On doit faire quand même pas mal de nettoyage dans la base mais dans la colonie parce qu'on voit il y a un peu d'hydrogène, il y a enfin vraiment 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 le carnage, mais bon. Merci à tous d'avoir suivi. On se rejoint pour le prochain épisode. Bye bye.